j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On va vlogger un petit peu dans la vie de Karine, les aventures de Karine. Enfin, bref, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais j'avais envie d'ouvrir ce petit colis avec vous. C'est un petit colis Typologie. Et puis évidemment, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et le packaging, toujours tout petit, le plus fin possible pour vous mettre un maximum de produits dans une toute petite boîte. Et c'est vraiment trop trop bien fait. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a quand même dedans des petites pépites. Et j'ai trop trop envie de les tester avec vous dans cette vidéo. Donc déjà, on a un petit coffret un petit peu spécial périodique selon votre état de peau pendant la semaine. Un coffret spécial femme. Donc très bien présenté. Vous voyez, il y a les sérums à l'intérieur. Et vous avez donc le petit coffret avec tous les petits sérums. Et honnêtement, il est trop canon le petit truc, la façon dont c'est fait. Donc ça se présente comme ça. On a une petite guide avec les bons conseils, comment utiliser les pipettes et à quel moment. Donc en fait, vous avez 4 semaines dans votre mois et vous avez différents sérums à utiliser. Il y a le sérum hydratant apaisant, le sérum éclat et souplesse, le sérum hydratant et astringent et le sérum matifiant et anti-imperfection. Et en fait, depuis quelques temps, à certains moments de la semaine, j'ai des boutons, enfin des moments du mois, j'ai quelques petits boutons et tout, et je me suis dit que ce kit était vraiment canon. Regardez ça déjà, en plus il est vraiment beau. Donc les petites pipettes blanches et à chaque fois vous pouvez mixer selon votre état de la peau pendant le mois. Donc j'ai trouvé ça plutôt canon. Donc ouais, j'avais trop trop envie de tester ce petit kit qui fait partie des nouveautés. J'ai reçu aussi la petite poudre, on en entend vachement parler, elle est protégée, pourtant c'est une poudre en plastique mais elle est protégée. Packaging sobre, la poudre Typologie comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on a une petite toupette, tiens, avec écrit Typologie dessus. Alors c'est une poudre, ça sent rien comme ça, c'est une poudre matifiante si je me trompe pas, ouais. Poudre lip matifiante, je crois qu'elle est légèrement teintée mais c'est une teinte un peu universelle, donc ça j'ai hâte de tester. Et je voulais la poudre matifiante parce que c'est vrai que là les beaux jours arrivent et quand il va commencer à faire chaud ça peut être très sympa. J'ai reçu aussi le masque pour les lèvres, ça c'est la nouveauté aussi, je suis trop contente. Un masque pour les lèvres comme ça à base d'acide hyaluronique, de céramide, 1% de céramide à l'intérieur. Et c'est un masque à mettre par exemple le soir avant de dormir. Ils disent eux d'appliquer généreusement sur le soir 2 à 3 fois par semaine mais ne pas rincer. Donc ça, ça va être utilisé aussi. L'anticerne en teinte 1. Oui, 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 parce que moi j'ai le anticerne en teinte 2 que j'aime beaucoup, mais il est beaucoup trop foncé maintenant pour moi. J'ai évidemment le sérum teinté, ça c'est un gros must-have, je l'adore, je l'adore, je vous en ai parlé sur Instagram. Le sérum teinté en teinte 1 aussi, c'est la teinte la plus claire, mais c'est la teinte qui me va en ce moment. Si vous êtes beaucoup plus clair que moi, sachez qu'il n'y a pas plus clair que la teinte 1, mais il s'adapte, hein. C'est quand même un sérum, ça reste quelque chose de fluide, qui se fond à la peau, donc ça s'adapte bien. Et la dernière nouveauté que je suis trop contente de tester, est-ce qu'on testera dans ce vlog, hein, c'est le peeling lèvres à l'acide mandélique, 2% d'acide mandélique à l'intérieur et aux enzymes de grenade, et il y a aussi 2% à l'intérieur. Ce petit sérum, c'est un petit produit qui a l'air dingue, donc vous avez comme un embout gloss, hein, comme un petit embout gloss comme ça, et vous le mettez sur vos lèvres en fine couche, première étape du soin, laissez agir le produit sur les lèvres et il n'a pas forcément besoin d'être rincé. Et du coup après vous pouvez appliquer le petit masque, donc le petit duo parfait. Et ça on va tester cette semaine. Donc, on commence ce vlog par un super colis, vraiment la marque Typologie c'est une de mes marques préférées et sachez que si je vous recommande un produit chez eux, c'est le sérum de teint et les sérums pour le visage, peu importe selon votre type de peau et tout ça, ils ont plein de sérums adaptés, c'est vraiment les deux meilleurs produits que j'ai testés et que souvent je rachète. Et sachant que là le sérum visage j'en ai fini déjà deux pots dans mon pochon gold. Vous savez il y a eu toute une polémique sur Sephora avec les produits gold, j'ai eu mon pochon après coup, je vous ai montré sur Instagram, mais j'ai reçu de nouveau ce produit là qui est l'highlighter Too Faced. Je l'ai reçu quand j'ai été en magasin et là je l'ai reçu du coup comme je l'ai en double. Je vous le fais gagner sur Instagram, hein. N'hésitez pas à aller me suivre ici. Je vous le dis ici, comme ça, ça vous intéresse. Je vous le fais gagner. Et moi, pour l'avoir, le pochon, je me suis acheté ce soin-là pour les lèvres. Donc, je pense que je le testerai aussi dans une vidéo. J'ai envie de prendre soin de mes lèvres. Donc, voilà. Donc, je vous préviens ici. Ce petit highlighter est à gagner. Je vous retrouve le lendemain en mode nature peinture. Hein, le dimanche, j'ai pas envie de faire de make-up aujourd'hui.
Mais j'ai envie de tester avec vous le petit baume et le petit masque pour les lèvres parce que j'ai les lèvres un petit peu abîmées. Donc j'ai envie de tester aujourd'hui. Ensuite, mon programme du dimanche, ça sera de continuer mes photos Insta. Non, pas Insta. Mes photos Vinted pour vendre pas mal de choses. J'ai déjà beaucoup vendu. Merci vraiment à toutes celles qui passent par ici. Mais je mets énormément de choses, mais je fais au fur et à mesure un peu tous les jours parce que sinon c'est pas possible. Ça prendrait trop d'énergie. J'ai tellement de choses à vendre puisque j'ai fait un tri de fou. Et donc là, je mets au fur et à mesure, je mets une dizaine de produits à peu près de temps en temps comme ça. Alors je sais que certaines ça les dérange parce qu'il faut faire plusieurs commandes, mais j'en suis désolée. C'est vraiment une question de praticité. Et avec la vie quotidienne, on peut pas mettre tout d'un coup. Et puis je pense que Vinted se poserait des questions, donc je mets un petit peu tout le temps. Donc le petit peeling lèvres, ils disent bien d'appliquer une fine couche en première étape de soin, laisser agir le produit et il n'y a pas besoin de rincer. C'est vraiment une légère texture fluide, comme si on mettait de l'eau en fait sur la bouche. C'est pas du tout désagréable, ça pique pas. Là, ça a quasiment séché. Ça n'a pas de goût spécifique dégoûtant, donc ça va. Je vais mettre le masque maintenant. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit embout, vous savez, qui permettrait d'étaler plus facilement sur la bouche. C'est une texture assez fluide, le masque. Ils disent bien de mettre une couche épaisse, mais c'est assez fluide. Je suis étonnée, je pensais que ça allait être plus épais. En revanche, il a vraiment cet effet hyper doux sur les lèvres. Oh là là, j'adore. Ce petit duo, je vais les mettre sur ma table de nuit. Alors, je vais pas les utiliser tous les jours, mais voilà, 2-3 fois par semaine. Je pense que c'est un petit duo à avoir. Je vous dirai si mes lèvres sont réparées parce que là, elles sont un petit peu sèches. On verra ça, mais j'aime bien le combo là, il me plaît bien. Je vais du coup repartir sur mes photos parce que j'ai vraiment du boulot qui m'attend. Thank you.
je vous retrouve à la maison après mon petit passage chez Action. J'ai acheté deux papiers cadeaux, j'ai acheté beaucoup de choses pour faire mes colis Vinted. Comme je vous disais, je suis en plein dedans. Du coup, j'ai racheté donc des enveloppes bulles de deux formats différents. Parce que pour les choses pas lourdes ou qui cassent pas, bah, je mets parfois dans les enveloppes bulles. Plein de scotch, et j'ai d'ailleurs dû faire un deuxième Action parce que je trouvais pas le scotch que je voulais, hein, celui-ci, le transparent et le marron. Et j'avais trouvé au départ que celui-ci, là, qui est version craft, mais bon, je préférais avoir mon must-have. Donc là, j'ai mon kit pour faire tous mes colis. Et d'ailleurs, ça va être ma mission de cet après-midi. Pour le midi, de temps en temps, comme ça, des petits wraps avec de la salade et tout, j'adore. Donc là, ils étaient à 1,99€. Pour des papiers, encore une fois, pour trier mes papiers, etc., j'ai pris un espèce de porte-vue et un trieur. Voilà, ça c'est vraiment de la paperasserie, mais j'en avais besoin, j'avais fait ma liste pour ça. Dans ma liste, il y avait des agrafes. J'espère avoir pris la bonne taille, parce que moi je suis un peu nulle, à chaque fois je prends la mauvaise taille. J'espère vraiment que ce sont des agrafes basiques, hein, on verra. Et j'ai trouvé ça dans le rayon enfant, complètement par hasard. Des carnets comme ça Harry Potter. D'ailleurs, j'ai acheté pour ma fille, pour son anniversaire, des figurines Harry Potter aussi. Je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure, mais il faut que je les emballe. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé ceux-là aussi. Donc, je pense qu'il y en aura un pour moi, un pour ma classe. Je verrai ça. Mais c'est vraiment que des pages de stickers Harry Potter. Donc, il y a 1000 stickers à l'intérieur et c'était 1,99€. Pour mes enfants, j'ai acheté comme ça de la pâte à modeler parce que celle qu'on a, elle commence à se faire vieille. Alors, je sais que celle-ci, c'est pas de la grande qualité, mais c'est pas grave. Pour mes enfants, j'ai acheté aussi ça pour tester la fameuse barbe à papa un peu chimique. Mais en fait, j'ai une idée. J'ai vu à Lush, quand j'y suis allée la dernière fois dans mon vlog à Paris, je vous remettrai le petit lien ici. À Lush, ils m'avaient fait une petite boisson avec de la barbe à papa à l'intérieur et ils ont mis dedans, je crois, une sorte de limonade au citron à l'intérieur et c'était trop bon. Donc j'avais envie de tester avec mes enfants, donc faut que j'achète de la limonade d'ailleurs. Pour mes crapouillots, j'ai pris plein de gourmandises comme ça. Oula, ça tombe. Donc des petites gourmandises comme ça, des bonbons. Ceux-là, on les adore vraiment. Si vous n'avez jamais testé ceux-là, ils sont très très bons et pas chers. Et ceux-là, pour tester cette fois. Et pour mes enfants, j'ai pris aussi des spéculoos, ça c'est la base. Ils emmènent au goûter comme ça, c'est un petit sachet, c'est pratique. Et pour finir, dans mes petits achats, j'ai pris ce petit lot et j'ai pris des feutres. Où est-ce qu'ils sont mes petits feutres? Ah, ils sont là. Voilà, les petits feutres Spider-Man pour mon fils. Donc, il est à fond dans Spider-Man en ce moment. Donc, j'ai trouvé ceux-là 1€, je crois. Et donc, des feuilles pour dessiner. Ils adorent, passion, coloriage, dessin, tout ça. Trop bien. Donc, voilà pour mes petits achats. Rien de foufou. Mais pendant ma pause, là, ça permettait d'aller faire une petite vadrouille. Donc, maintenant, je vais manger. Et après, avec le temps qui me restera, je vais aller emballer mes colis parce que j'ai 500 000 colis Vinted à faire. Donc, voilà, souhaitez-moi bon courage. Voici les petites choses que j'ai trouvées chez Action, c'était il y a une semaine ou deux. Il y avait tout un rayon Harry Potter et là c'est trop cool, ils ont vraiment mis plein de choses pour les fans d'Harry Potter, pour faire des cadeaux et tout, c'est vraiment cool. Et je crois que ça c'était 3,99€ le coffret. Donc il y en avait des plus gros avec une petite partie d'un décor et tout, mais bon, j'ai pas pris. Je vais juste pris quelques figurines avec Hermione, Hagrid et son chien. Et là j'ai pris Harry et Ginny, évidemment, voilà. Je me suis dit qu'elle pourrait le mettre sur sa petite étagère. Et là, il y a les... Je sais pas si vous les voyez, il y a les Patronus, c'est juste à côté. Donc, bah, ils sont vraiment sympas pour 3,99€. C'est un bon deal.
Je vous retrouve en ce petit jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes enfants sont assez calmes. Donc, programme, je vais refaire mes ongles parce que là, c'est en train de partir mon vernis semi-permanent que vous avez vu il y a la dernière fois dans l'autre vidéo. Je suis en train de faire un petit cappuccino là et je vais ouvrir avec vous les box que j'ai reçues hier. Déjà là, blissime. Alors, je sais pas si c'est prévu pour tous les mois, mais là, je trouve canon. Honnêtement, ça donne envie de vitamine C. Voilà, elle est trop belle au niveau du format. Et le fait d'avoir une trousse comme ça, c'est trop bien. Objectif du mois, bonne mine. Avec une box qui vous offre plein de produits vitaminés, on va dire ça comme ça. Oh, déjà, je vois un produit que j'apprécie particulièrement, mais trop cool. On a le lait pour les cheveux bouclés. Justement, c'est le lait que j'utilise en ce moment. Là, c'est le Superfood Milk Curl Potion. C'est les secrets de Loli. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette gamme-là. Et du coup, en petit format comme ça, je suis très contente parce que ça va pouvoir être emmené pendant les vacances d'été, tout ça, donc ça va être très pratique. On a un soleil marin, une bébé crème correctrice fait en Bretagne de la marque Algology, donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là, c'est une bébé crème, du coup, ça c'est plutôt cool. Donc j'espère, je sais pas si ça fait focus cet appareil, hein. Je suis pas encore une pro, mais bon. En tout cas, la voici, c'est quand même un bon format, à voir si elle est bien, hein. Parce que bon, les bébés crèmes, des fois je suis sceptique, mais... C'est une bonne idée, en tout cas dans une box en mode vitamine pour les beaux jours, c'est bien. De chez Garancia, on a la poudre magique de l'appel de la forêt, elle s'appelle. Donc c'est une poudre que vous devez mélanger avec votre soin Garancia habituel. Appliquer matin et soir sur le visage. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors il y a 10% de vitamine C pure à l'intérieur et du collagène végétal. Donc c'est vraiment une poudre à mélanger avec votre soin et après à mettre sur votre peau matin et soir, tiens. Alors ça m'intrigue, j'ai bien envie de tester. Vous voyez, c'est un tout petit format comme ça et puis il y a une poudre à l'intérieur, donc c'est un petit format mais qui permet quand même de bien tester, c'est assez généreux. On a un produit de la marque Hello Body, donc encore une fois une plutôt belle marque, et c'est un scrub pour le visage, un nettoyant visage gommant. Oui, c'est bien pour le visage, hein. Rose Effect. Alors, je sais pas si c'est à base de rose, mais en tout cas, c'est censé donner voilà, de l'éclat à votre peau, masser sur une peau humide, rincer abondamment, formule douce pour un usage au quotidien. Non, ça va. Ça sent pas la rose pas terrible, ça sent plutôt bon même. Donc, voici le packaging. Ça, c'est cool. Donc, c'est une sorte de nettoyant un peu gommant. Bah, écoutez, pour l'instant, je la trouve kiffante de la box. Et on a des patchs anti-boutons. Vous mettez ça sur vos boutons si vous avez un gros bouton quelque part. Et logiquement, au bout de quelques heures, paf, c'est parti. Donc, c'est à base d'acide salicylique et d'arbre à thé. Ça va pouvoir être utile parce qu'en ce moment, j'ai encore une fois beaucoup de boutons. De la marque Glim. Je ne connais pas. Et combien on en a à l'intérieur? Ah, il y en a 16 à l'intérieur, ce qui est énorme. Elle est canon. Elle est canon. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve canon. Tout est trop cool. Tout est trop cool. On va ouvrir celle de chez Beautiful Box, qui est aussi très jolie au niveau du packaging. Alors, est-ce que c'est un thème? Donc là, c'est une édition VIP. Le thème du mois, est-ce qu'il y a un thème particulier? Ouvrez bien les yeux, ces produits trompe-l'œil vont-ils réussir à vous berner, mais surtout à vous séduire? Ouh là là, on a du challenge là-dedans. Alors déjà, je vois qu'on a une bouteille vide, donc je pense qu'il y a un truc à faire avec. Il y a une mixture à préparer, ça va être trop cool. Alors, qu'est-ce que c'est? Crème déodorante douce. Neutralise les odeurs et absorbe l'humidité. Ne laisse pas de traces blanches et sans sel d'aluminium de la marque Millet. Ça, c'est original, ça. Donc, effectivement, trompe-l'œil parce que ça ressemble pas à un déodorant, mais c'est un déodorant. Donc, ça, c'est plutôt original. On a une gelée démaquillante à l'huile de Nigel. La texture a l'air trop sympa. Le petit format aussi. Et c'est de la marque Nigel Eternel Sweet Lucum. Donc je sais pas si ça sent le loukoum, hein, mais en tout cas c'est une huile comme ça pour démaquiller et honnêtement la texture et la couleur donnent envie. Et c'est une marque que je connais pas du tout. On a un petit baume là, je pense que c'est un petit baume à lèvres ça. Cléopâtre Chicken Lips, donc soit pour les lèvres, soit pour les joues. Le rouge français, donc c'est un petit pot comme ça. Et regardez, alors pour les joues je testerai parce que pour les lèvres j'aime pas mettre mes doigts et tout ça, je trouve ça... pas hygiénique, mais pour les joues, ça peut être une très jolie couleur. Et encore une fois, c'est un peu innovant ce côté baume à lèvres. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser sur les joues, même si c'est ultra connu. C'est pas mal. Ils ont essayé de jouer le jeu. Ensuite, on a crème visage hydratante solide à l'huile de coco et au beurre de karité de la marque Don Simoni. Voilà. Et alors, c'est une petite boîte un peu dans le style de chez Lush. Ah ouais, d'accord. Trop rigolo. Alors j'imagine que vous prenez une petite bille, vous l'étalez dans vos mains et vous mettez sur votre visage. Ce qui est
honnêtement, plutôt hygiénique. Donc une bille égale une dose. C'est super ingénieux. Je trouve l'idée très très sympa. Honnêtement, c'est sûr que je vais l'utiliser parce que l'idée est vraiment top. On a une lotion douce tonifiante pour peau normale à mixte à la fleur de lys bio de la marque Coslys, qui est une marque qui vous propose des produits comme ça à fabriquer aussi vous-même. Vous pouvez acheter plusieurs produits et faire vos petites mixtures ou vous pouvez les utiliser comme ça aussi. Et je pense que là, on va vous nous donner une recette, je ne sais pas, à voir. En tout cas, ça c'est super bien, c'est une lotion pour le visage doux, donc ça c'est cool. Ça je vais l'intégrer dans ma routine aussi, c'est une bonne marque, en plus bio et tout, donc très très bien. Et fais ton gel douche, ah oui, ça, ça doit aller avec ça, pour faire son gel douche soi-même. Donc il y a toutes les étapes dessus, et c'est un gel douche poudre suprême de douche à la framboise sauvage, comme ça. Et donc je pense qu'il faut simplement mettre de l'eau après, ouais c'est ça. Vous mettez le sachet à l'intérieur de la petite bouteille, vous faites en sorte de ne pas en mettre partout à côté, versez dans le flacon vide, rajoutez de l'eau froide, agitez vigoureusement, attendre une nuit, agitez à nouveau et le gel douche est prêt. Donc ça, eh ben écoutez, ces deux box sont canons. Je suis conquise par les deux box, il n'y a rien à dire, je les adore les deux, elles sont trop trop bien. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais les deux sont bien. Alors là, c'est le moment d'acheter les box, moi je trouve qu'elles valent le coup. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Hello, je vous retrouve dans la fin de ce vlog. J'ai préparé mon petit cahier journal pour la semaine. J'ai fait pas mal de choses. Je gère mes enfants seuls puisque mon mari n'est pas là. Il est parti dans le pays de ses parents. Il est parti au Sénégal en fait, puisqu'il devait avec sa famille rejoindre ses proches là-bas. Du coup, je suis toute seule pendant quelques jours. Mais c'est pas grave, ça va le faire. On va. J'aurais voulu être auprès de lui, mais c'était pas possible. Et c'était des conditions particulières pour partir. Et donc voilà, mais mon cœur est avec lui, là, vraiment, parce que je sais qu'il a besoin de mon soutien. Mais bon, je suis contente qu'il retourne là-bas aussi, parce que ça fait, je crois, il m'avait dit 17 ans, quelque chose comme ça. Il est parti au Sénégal qu'une fois dans sa vie. Et donc là, c'est sa deuxième fois. Donc je suis contente qu'il y retourne. Bref. J'avais envie de vous clôturer ce vlog sur notre futur voyage avec mon mari justement et mes enfants. Je vous avais dit dans mes fameuses vidéos budget planner qu'on voulait économiser pour partir en vacances, faire un gros voyage. On avait parlé du sud des États-Unis puisque c'est quelque chose qui me plairait énormément de faire toute la côte ouest américaine, tout ce qui est la Californie américaine, Los Angeles, San Francisco, tout ça. Voilà, c'est une zone que j'ai jamais été et c'est un voyage qui me plairait énormément. Mais malheureusement, malgré mes initiatives de budget, ça n'a pas été possible. Du coup, j'avais pas assez économisé pour pouvoir partir cet été. Il aurait fallu que j'économise encore un an. Le budget pour 5 personnes, dont 3 enfants, pour partir au moins 3 semaines, un mois, parce qu'on voulait vraiment partir longtemps pour faire un gros voyage, eh bien, c'était plus de 10 000 euros quasi. Il y avait 7 000 ou 8 000 euros, je crois, d'avion. Non, 6 000 euros d'avion, je crois, pour nous 5. Et puis, du coup, pour loger, manger, etc., il fallait au moins 10 000 euros de budget. Et je n'ai pas clairement réussi à économiser 10 000 euros de budget. Même si j'ai réussi à économiser 5 000 euros en pas beaucoup de temps, je n'ai pas réussi à économiser plus. Il a fallu d'ailleurs que je pioche dans ces 5 000 euros que j'avais économisés. Je vous renvoie vers mes petites vidéos où j'en parlais. Il a fallu que je pioche dans ces 5 000 euros pour pouvoir payer les billets d'avion. Mais nous avons trouvé une destination. Nous avons décidé de partir pendant 3 semaines cet été au Canada. Alors c'est un pays que j'ai déjà fait, j'y suis allée déjà 3 fois. 3 fois, tout ce qui est Ontario, on connaît bien avec mon mari, on y a été plusieurs fois du coup. C'est un pays qu'on aime particulièrement, on a des amis là-bas, on a hâte de revoir du coup cet été. On y a été il y a 4-5 ans maintenant, avant qu'on arrive ici dans le Nord, donc je me suis... Finalement, dans nos budgets, c'était un gros voyage qui rentrait dans notre budget et c'est un voyage qu'on aime faire. Donc on s'est dit, bon voilà, allez, on l'a jamais fait en été, en plus c'est la première fois qu'on partira au Canada en été. On part 3 semaines, on part exactement à peu près 10 jours dans l'Ontario et 10 jours, on va dire à peu près, vers Montréal, d'où ces deux achats. On va pas aller jusqu'à Québec, malheureusement, parce qu'on a essayé de trouver une location à Québec, mais on n'a pas trouvé, c'était trop cher, hors de prix, et là on pouvait pas.
Donc, et puis ça faisait beaucoup de routes et on reprend, donc on arrive vers Toronto, mais on repart de Montréal. Donc si vous voulez, on ne pouvait pas repartir de Québec, c'était beaucoup trop cher. Donc j'ai acheté pour l'occasion le Cartoville Montréal, parce que Cartoville c'est vraiment le genre de guide que j'achète toujours quand je veux vraiment visiter une ville de fond en comble. Elle est, c'est des petits carnets, des petits livrets comme ça qui sont super bien faits. À chaque fois vous avez des informations générales et en fait c'est par quartier. Donc alors attendez, hop, voilà. Par exemple le Vieux Montréal, donc ils appellent ça le quartier international. Vous avez toutes les informations comme ça et quand vous ouvrez, donc ça s'ouvre en hauteur, vous avez la carte de Montréal avec encore une fois des informations ici. Donc c'est juste trop génial. Il est super bien fait et à chaque fois c'est divisé par quartier comme ça. Ça coûte à peine 9,50. Donc vraiment, j'en ai déjà un de Londres, de New York, de Paris, de je sais plus où. À chaque fois que je vais dans une grande ville comme ça, j'en ai un. Donc évidemment, il me fallait, je voulais en racheter un. Et puis celui-ci, je crois que je l'avais déjà acheté à l'époque où j'avais été au Canada, mais je sais pas où il est. Donc je me suis dit que j'allais regarder un peu, fouiner, s'il y a des choses à faire, des choses pour nos enfants, des conseils. Et bah, on s'est dit pourquoi pas. Bref, vous savez, le Canada, j'affectionne particulièrement. Et n'hésitez pas du coup en commentaire à me dire vous, la destination, votre où est-ce que vous partez en vacances cet été, si vous restez plutôt en France, si vous partez à l'étranger, si vous partez en Europe. Voilà, dites-moi tout, faites-moi rêver dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et encore, merci encore pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo vlog. Ça vous a fait chaud au cœur que je revienne. Et du coup, je suis super contente de votre accueil. Et bah écoutez, ce ne sont pas des petits vlogs, mais voilà, ce seront des vlogs un peu de vie. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans les commentaires dans une prochaine vidéo. Allez, bisous.